Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Dragon Age Inquisition et le château, donc Fort Céleste, se répare au fur et à mesure et débloque plein de petites choses. Donc je vais aller voir ce que ça vaut. Je n'ai pas besoin de vous, monsieur. C'est qui ça? Dame inquisitrice, Bonnie Sims, à votre service. Salut. J'espère que ces grits n'étaient pas trop rustres. Puisque la chance vous sourit, désormais vous méritez mieux. En tant que chef des commerçants, je suis prête à pourvoir à vos moindres besoins. Ok, parfait. Les commerçants. Qui sont les commerçants? Un groupe d'individus bienveillants et soucieux de leurs bénéfices, qui soutiennent les artisans locaux et l'importation équitable. Une sorte de guilde, bien que ça implique des affiliations au Carta que nous préférerions éviter. Nos intentions à l'égard de l'Inquisition sont légitimes et honorables. Vous obtiendrez tout ce qu'il vous faudra à un prix honnête. Parfait. Et je fais comment pour acheter? Je vais là directement. Alors qu'est-ce que tu me proposes? Ah, ouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des armes, non? Ouais, pas mal. Est-ce que tu me vends? Ah, pierre unique. Ça, c'est bon, ça, à l'infini. Qu'est-ce que c'est que ça? Métal ordinaire. Donc elle me vend des pierres uniques à l'infini. Ça c'est excellent, donc ça va pouvoir me permettre de stocker, enfin d'équiper de runes toutes mes armes, enfin tout le monde. Donc il y a des plans qui sont pas mal. Qu'est-ce que tu me proposes d'autre? Non? Bon ben voilà. Âge du chasseur de dragon, ouais. On peut pas voir ce que ça vaut. Ah, c'est un bouclier, ok, d'accord. Oh bon ben ok, ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est qui ça? Merci de m'avoir sauvé la vie, Adars. J'en suis parfaitement conscient. Il y a de tout ici maintenant. Le changement est en marche. Marchons avec lui. Parfait. Donc, petit déplacement rapide ici. Il y a un escalier qui mène à quelque chose, mais c'est peut-être encore fermé pour le moment. Non? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait les cuisines. D'abord une meule entière de fromage fumé en tivant, et maintenant trois royaux de Montaché. Elle était juste là. C'est sympa pour le background, ce petit truc comme ça. Il y a plein de petits messages. Ouais, ça fait beaucoup de nourriture par contre. Ah, moi ça me fait plaisir de voir tout ce que je propose. En même temps, ça vous fait des petites vidéos sympathiques, peut-être autant des vidéos avec qu'est-ce que c'est que ce truc. C'est gigantesque. Je pourrais loger une armée ici. Ouais, je confirme, ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula! Bon, apparemment, il y a une espèce de bibliothèque dans le machin. Voilà, vous faites pause, hein, comme d'hab. Hein. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que ce gros bouquin là? Ça sera certainement pour plus tard ça. C'est quoi, c'est une petite blague? Ok, normal. Absolument normal. Je regarde un peu tout ce qu'il y a d'intéressant. Bon, apparemment, il y a plein de bouquins. Voilà, comme ça, ceux qui sont intéressés par la lecture, je pense que vous avez de quoi faire. Quelqu'un a vidé tout un sac de navets dans la immense. Cheminée. Comment voulez-vous que je m'en sorte? Le créateur s'empeste. Je comptais les préparer pour le dîner, mais faut pas me rappeler qui les a pris. Ah bah je suis. Ah bah voilà, c'est là que je suis. C'est quoi ça? Ah oui, c'est le.
C'est le truc du quartier général, non? C'est ça? Putain, qu'est-ce que c'est grand. Oui, c'est ça, c'est bien le... Ok, d'accord, c'est le... Bon, on va voir ce qui a été débloqué d'autre. Ce qui est très appréciable, c'est le non-chargement. Ouais, où est-ce que je vais, là? Ah, c'est cool, ça. T'es qui, toi? Y'a quoi, là? Non, c'est cool. Apparemment, je ne peux pas encore passer là. De voir quelqu'un qui vit, c'est pas possible. En tout cas, c'est magnifique. Le décor est magnifique. Hop. Ça manque un peu d'arbres, je trouve. Mais bon, on est dans les montagnes. Ça explique un peu les choses. Du coup... Putain, je sais plus où je suis. Là. Ah. Putain, qu'est-ce que c'est beau. C'est super beau. À mon avis, ils vont s'installer au fur et à mesure. On aura plein d'autres pièces. Où est-ce que je suis, là? Oula. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, apparemment, on peut aller par là. Je pense que chaque personne va... Ah, je peux monter là? Chaque personne va avoir son petit endroit. Je pense que chaque perso aura son petit endroit, son petit machin. Ce qui est pas plus mal. Alors, par là, ça va descendre. Par là, ça descend aussi. Il y a des gardes. Il n'y a pas de coffre, non? Il n'y a rien à prendre. J'ai voulu saisir ma dague, elle avait disparu. Je pense que chaque pièce va au fur et à mesure du jeu. Où je l'ai retrouvée? Dans un tonneau rempli de poignards, le machin. Évoluer. Oh putain, qu'est-ce que c'est grand. Au moins ça vous fait un peu la visite de tout le machin. Ouais, ok. Bon, on va faire le tour. Profitez de la déco, profitez du paysage. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est le moment. Oh putain, c'est immense. Il y en a pour des jours à faire ce jeu. Il y en a pour des heures. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore acheté, je vous le conseille fortement. Ça vous fera des heures et des heures. Si vous aimez les RPG, je pense que c'est un des meilleurs du moment, sans hésitation. Tiens, je peux sauter comme ça ou je vais m'écraser comme une grosse... Enfin, par moyen, ok. Donc si vous avez encore des doutes sur le jeu, je pense que vous pouvez vous lâcher. Achetez-le. Ça vous fera de quoi tenir l'hiver. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, c'est immense. C'est vraiment immense. Je m'attendais pas à un truc aussi grand. En même temps, c'est un château, enfin c'est un fort, mais bon. On a Fort Dragon dans Skyrim, mais il est pas aussi grand, quoi. Oh, il y a un cloître et tout. Oh, c'est super beau. Où est-ce que je suis là? Attendez, je regarde deux secondes sur la carte, mais... Ah ouais, je suis dans le machin. Ok, d'accord. Quoi, c'est encore... C'est le niveau le plus bas, ça, le plus haut? Apparemment, je suis au niveau plus haut, il y a peut-être moyen de descendre encore. Même ici, ce fort a vraiment... Ah, Mère Gisèle, coucou. Ah, Inquisitrice, vous avez enfin trouvé votre voie. Le Créateur vous a mise sur un chemin difficile. Je prie pour que votre voyage soit sans danger. Je ferai de mon mieux pour m'en montrer digne. Vous vous en êtes montré digne, Adars. Le Créateur vous a choisi pour nous libérer de Corypheus. Tout le monde ici a foi en vous et vous soutient. Ne l'oubliez jamais. Y avait-il autre chose? Bon, ben voilà. Que le Créateur vous garde. C'est bien son... Ah non. Ah putain. Voilà, merci. On retrouve des gens avec lesquels on a fait le début de l'aventure.
Ah, des ports, des ports, des portées. Encore des. Ah ouais. Ah, c'est qu'il y a trois portes, c'est ça? Ok, il y a trois portes de chaque côté. Bon, va falloir juste s'habituer un peu. Putain, ça mène où ça? Ça mène pas aux cuisines, ça? Ah non, si, d'accord, c'est le truc de solace. Ok. Ok, bon, on va aller voir. Il y avait une écurie, j'ai vu de l'autre côté. Je sais pas si on va peut-être pouvoir changer de cheval. Alors, je sais qu'à chaque fois, je prends pas le bon chemin. Bah, tant que ça passe. C'est normal que les tentes ont vraiment une texture dégueu. Non, c'est moi ou je sais pas. Bon, bref. Alors, je suis de retour ici où j'avais commencé la vidéo. Normalement, j'ai vu qu'il y avait une écurie. Je pense qu'il y a. J'étais prêt pour le cantique de ce soir. Méfiez-vous de ce crétin de Maurice. Ouais. Content de le savoir. Tiens, qu'est-ce que c'est? Nos montures n'ont jamais été aussi gâtées. Ah, bon ça, très très bon ça. Du coup, est-ce que j'ai déjà un cheval? Non? Comment est-ce qu'on fait pour Dracolix? C'est on peut monter des petits dragons? Sérieux? C'est une monture volante ou... Non, je pense pas. Ils iraient pas jusqu'à une monture volante, je pense pas. En tout cas, comment est-ce qu'on fait pour avoir les montures? Ça j'aimerais bien. Exotique, oh putain, d'avoir débloqué toutes les montures, débloqué Maître tous les Doumé machins, mais t'expliquera c'est peut-être quelque chose exceptionnel, à quoi. nous maintenant. Un endroit pareil a besoin d'un expert. Ce qui se passe, c'est qu'à la base, si je, ouais, le jeu était prévu pour être un MMO, et le faire en solo, on a tout ce qui est d'un bon MMO à un jeu solo, et ça, c'est vraiment exceptionnel. On se retrouve avec une telle quantité de choses qu'il est même un peu compliqué de se dire, tiens, je vais faire le jeu à 100%. Honnêtement, si j'arrive déjà à faire le jeu à 80%, je pense que je pourrais m'estimer heureux. Et bien sûr, là, c'est la sortie, hein. Ok, parfait, nickel. Bon, ben voilà, on a fait un peu le tour du truc. Il reste, ah oui, il reste mes quartiers. J'ai mes quartiers apparemment, si j'ai bien compris. Où est-ce que j'y vais tout seul? Non, bah ben, je vais y aller tout de suite. Pardon, je vais y aller directement. Sinon, ça va faire des vidéos pour rien. Enfin, des vidéos pour rien. Ça va faire des vidéos à répétition, mais j'aime pas trop ça, donc on va y aller, on va aller voir mes quartiers, je finirai dans mes quartiers. Comme ça, je vous aurais fait une bonne fois pour toutes la visite du Fort Céleste. Et je ne pense pas. Ah, quoi qu'il y a encore le truc là. Putain, il y a des trucs partout, c'est énorme quoi. Qu'est-ce qu'il a lui? Et il ramasse un truc? C'est quoi? Ah, c'est le. Oula. C'est les. D'accord, c'est le bar quoi. C'est qu'il est. Inquisitrice. Et vous êtes? Le tavernier. Le tavernier tout court? Vous vous attendiez à quoi? Bienvenue dans l'Inquisition, en tout cas. Merci. Bienvenue à la taverne. Bon. Quelles sont les nouvelles? Ils ont entendu l'appel au pouvoir et ils sont prêts à prendre les armes au château Crâne du Gris. Comment est l'humeur dominante en ce moment? 3 humeurs sur 4 en surcharge. Où est-ce que vous avez étudié? Je suppose que vous avez eu une formation? Pour tenir une taverne? Je suis pas alchimiste. Il suffit de mélanger des trucs qui ont pas trop mauvais goût et de faire semblant d'écouter. On va dire que j'ai appris chez moi, quand la famille venait pour les grandes occasions. Ma spécialité, c'est la bière. Une vieille recette antivanne. Le secret, c'est la bière. Vous ne manquez pas de cran? Qu'est-ce que vous faites ici? Si je savais me battre, je porterais un casque. Si j'étais mage, je lancerais du feu, et je serais sûrement mort. Mais je sais rien faire. Comme les centaines de gens qui savent rien faire non plus. Et qui s'assurent que les milliers qui savent faire quelque chose puissent le faire bien. Et puis, si vous connaissez un endroit plus sûr que votre château, faites passer l'adresse. Ok, en même temps il est honnête, il a pas tort, hein. Il y a tellement de choses. Sauf Ricky Fionca. Ouais, tu m'étonnes. Bah, c'est vrai, pas mauvais stylo, je pense. Alors, on va aller finir les appartements. Bon, ça fera une petite vidéo de 15 minutes des visites de Fort Céleste.
pense qu'il y a peut-être même encore des trucs qui vont se débloquer par après, donc c'est vraiment la folie. Je suis déjà à presque, ouais, je suis déjà à 60 vidéos. J'ai prévu de faire 300 vidéos. Si j'en fais plus, j'en fais plus, c'est pas dramatique. Mais ça va me prendre des jours et des jours et des jours en tout cas. Alors, ça, c'est nos appartements, si je comprends bien. Ouais, d'accord. Ah ouais! Ah ouais, quand même! Quand même, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Prendre. Oula! Oula, 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 oula! Qu'est-ce qui se passe? Faisait objet de nuit, aménagement de la cour, tourne. Rassembler les matériaux pour la tour. Ah, d'accord, donc en fait. Un jardin, rassembler les matériaux du jardin, herbant fuseau. Ok, donc c'est qu'en fait, en faisant le jeu, j'améliore le château. Bah, c'est excellent. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas un système à l'Assassin's Creed où on peut soi-même améliorer les trucs. Apparemment, ça se fait automatiquement. Bon. Ça se fait automatiquement. Maintenant, il y a... Ah, il y a encore un truc, là. Maintenant, c'est vrai qu'on avait la possibilité, par exemple, de choisir ce qu'on voulait améliorer en premier. Ça aurait été un peu plus sympa. Bon, non, on va pas s'en plaindre, mais... Qu'est-ce que ça sert à rien là, ce truc là? Bon, alors, on va se quitter ici. En tout cas, vous avez vu. Je peux me reposer? Non, je peux pas. Mais c'est à moi ou pas? Bon, bref, vous avez vu ce que le recèle le château. Maintenant, vous avez visité les moindres mystères. Je vais appeler cette vidéo Déco. Et on se retrouve pour la suite de notre aventure. Je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. Je vais faire quelques missions là. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit j'aime, petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!